Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode sur KSP. La dernière fois, on avait préparé l'envoi de satellites pour mettre un réseau CommSat autour de Minmus. Nos satellites sont en orbite autour de Kerbin. Aujourd'hui, on va faire le transfert vers Minmus pour les poser en orbite polaire, bien réparties. Allez, c'est parti. Ok. Maintenant, ça c'est la Mune. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux Minmus. Là-bas. Alors. Mais laisse-moi te modifier, manœuvre. Qu'est-ce que je... Ah voilà. Si je pousse plus. Non mais... Ah! C'est pas possible. Non mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il se met... Qu'est-ce que je fais pour qu'il me fasse ça là? Je suis pas doué ce soir ou quoi? Ok.
Ouais, je veux à peu près ça. Je veux à peu près ça. Donc dans 28 minutes, il faut pousser pendant 2 minutes 05, donc à 1 minute et 2 secondes. Je pousse à bloc. Direction. Direction ici. Ok. On va être super large en carburant. D'ailleurs, carburant, il faudrait bien que je me les affiche. Juste au cas où. Surtout la charge électrique. Donc 1 minute et 2 secondes. Ça va commencer à venir. Pas du tout où je veux. Je vais pousser doucement. Et là, on est bien. Très bien.
pouvoir se rajouter une manœuvre au périastre. Yep. C'est un poil fort, ça. Voilà. Dix-huit mille sept cent soixante-seize, vingt-deux, 19, 19, 572. Ouais, voilà. 18 985. Ça fait seulement 915 mètres secondes. Donc j'ai 1900 mètres secondes de rab. Ouais. Ouais. Alors, un jour 5 heures. Bon, on va attendre. Donc, 1 minute 20, ça fait à 40 secondes. J'imagine que ça va être en rétrograde. À peu près. Quasi. Niveau énergie, on est bon. Un peu moins d'une minute, on va pouvoir s'amuser. Alors, on est en approche de Minmus. Je vais en profiter pour faire le largage de la coiffe. Ça, c'est fait. Je vais peut-être pas pousser aussi longtemps. Parce que en fait, je veux pas 18, là je vais plutôt. Je vais plutôt 22.
Toi, on va te valider. Et toi? Donc, c'est plutôt toi ici. Tu vas nous descendre aux alentours de 20. Voilà. Donc là, à 2 secondes, je vais pousser à 10% en rétrograde. Voilà. Ok. Donc là, j'ai une orbite polaire, je suis entre 15 et 20. Donc, il va falloir que je me remette et une minute, et là, ça fait 25 minutes. 26 minutes pour la peau astre. Je me mets en prograde tout de suite. Et on va aller jusque-là. Ça me laisse un peu moins de 3 minutes. Ça, on va larguer le premier satellite. Je sais pas pourquoi la vue, je la supporte pas dans KSP. La vue automatique, c'est tellement bizarre. Ok. Donc, toi, tu es largué. Je vais vouloir ici ajouter de manœuvre et aller jusqu'à 20 139. Ouais, à peu près. Non, mais avec la touche V, je finis par m'en sortir, mais par défaut, ça me... Ça m'énerve. J'aurais pas pu faire un truc plus sympa de base. Prograde-toi.
On va avancer un peu plus vite. Il est temps de cramer. Une seconde avant le thé. Une seconde après le thé. Ça ira très bien. Ok, maintenant. Logiquement, je devrais prendre de l'avance. Combien d'avance je prends? Je passe 4 tours à peu près. Pardon. 3. Est-ce que avec 4 tours, je suis bon? Peut-être un tour de plus. Cinquième. Oui, j'ai l'impression que c'est mieux là. Ok, 5 tours. Toi, tu te remets en prograde. Très bien. Du coup, tu me relargues. Un satellite sur lequel on switch. Reste en prograde. Remets-toi en prograde. Ah, en fait, dès qu'on switch, ça change. Très bien. Reste en prograde. Voilà. Donc à une seconde. Pareil, on va pousser du minimum. Voilà. Très bien. Par ailleurs, j'ai pas fait ça. Voilà. J'ai pas fait ça sur son pote non plus. Changer. Mais ça va. On était large. Ok. Oh. Changer. Ok. Toi, tu te remets en prograde. Pourquoi tu me mets une vue super large? Je ne sais pas. Mais tu reviens. Faire 5 tours. Deux.
4. Et là, j'ai l'impression... Non, il manque un tout petit peu. Pas beaucoup, mais... Oui, c'est mieux comme ça. Peut-être un poil trop haut, là. Mais bon. On fait ce qu'on peut. Ok. Donc toi, t'es en prograde. T'es tout bon. On te déploie. Salut XK. Les panneaux. Et arrivé ici. Voilà. Donc toujours 2 secondes à... On va dire à 2 secondes, je mets les gaz jusqu'à ce que je crame tout. Et voilà. Et donc, il me reste le dernier. Alors lui... Du coup... Et donc, logiquement, il faudrait que je me remette en prograde. Et on va voir ce que ça donne si je fais ça. Normalement, je perds pas la communication. Je ne perds pas. Toi, je te déploie. Donc à 2 secondes, on va pousser au minimum. Ouf, j'en ai mis 4, pareil. C'est les mêmes, mais avec version... C'est exactement les mêmes en version qui ont... Et en plus, on fait le lien avec l'autre là-haut. C'est la version avec les roues de réaction. 4 comme ça. En fait, j'ai peut-être placé un peu bas.
Quoique, dans cette version, normalement, ça bloque pas. C'est juste les grandes distances où. Bon, ça c'est pas mal. Alors maintenant la question est, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah, les débris, ça doit être mes. Ça doit être ma coiffe. Qu'est-ce que je fais de ça? J'ai encore un max d'ergols à l'intérieur. Mais j'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit avec. J'ai pas mis de port de docking dessus. Ouais, c'est ce que je me dis. On l'écrase ou on le pose gentiment? Et après tout, c'est vrai, ça s'appelle Let's Crash, c'est pas pour rien. Allez. C'est parti. Je te crache où là? Je te crache ici, ok. Pourrais te cracher plus près, s'il te plaît? Là. Là, ici, ça me plaît bien. Alors, on est à quelle altitude? 12 000. Je suis un fou, je vais l'Elon Musk'er. Au pire, je pourrais le faire péter depuis le KSC. Oh, moi j'ai cassé les panneaux solaires. Bon, c'était pas forcément la meilleure zone pour le poser sur le sur le moteur. Voilà. Non, mais comme ça, s'il y a besoin, je pourrais récupérer les panneaux solaires plus tard. Bah good. Ceci est un succès. Maintenant, on va pouvoir passer. Ah, une mission habitée. Et ça sera pour la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé. Merci pour vos pouces bleus et vos commentaires qui font toujours plaisir. Et puis donc, prochain coup, on lance notre mission habitée à destination de Minmus pour aller poser nos carbales en groupe. Allez, ciao!